Salut tout le monde, c'est Colenso et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Warframe. Et donc on est devant le Céphalon Simaris puisque là on va reprendre notre petite série de vidéos de passage de palier. Donc on va faire notre palier 2, donc à mon avis il va pas être bien plus difficile que le premier. Là ça va très probablement être l'arme secondaire. Voilà, arme secondaire. Sidearm, arme de poing, c'est l'arme secondaire. Donc moi, quand je l'ai fait, j'avais les aclatos déjà. Parce qu'on peut les avoir très tôt, les aclatos. C'est vraiment pas terrible comme arme. Donc voilà, je le fais avec ces armes-là par souci de cohérence en fait. Mais après, bien sûr, quand les rangs vont monter, je reprendrai le bail que j'ai l'habitude d'utiliser puisque j'ai rapidement appris à faire des bails corrects dans ce jeu. D'ailleurs, de mémoire, quand j'avais fait le palier, j'avais le droit d'utiliser mes pouvoirs. Même pas peur. Ça, c'est fait. Bon, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus difficile, j'avoue. Bon, la difficulté viendra bien assez tôt pour les paliers. Nous avons maintenant notre palier 2. Ah purée, c'est vraiment facile. Donc, pour ceux qui se demandent, l'apparence que j'utilise sur mon Excalibur, c'est une apparence inspirée de Dark Sector, donc c'est le jeu qui a inspiré Warframe. D'ailleurs, c'est un jeu que j'ai prévu de... auquel j'ai prévu de jouer un jour. Donc si vous voulez que au moment où je le teste, je fasse la vidéo dessus, pourquoi pas. Hein. Moi de toute façon, j'ai prévu d'y jouer. Et voilà, cette apparence m'a beaucoup plu, c'est pour ça que j'utilise. D'autant plus que là, Excalibur, on va l'utiliser pour quelques paliers encore. Sur ce, c'était Colenso des Connected Warriors Entertainment, et je vous dis à plus.